اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل لما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا، ولك الشكر على كل حال، لك الحمد بجميع المحامد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نذيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الصادق في قيله، قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد على ما وفقتنا لإتمام القرآن وتلاوة كتابك العظيم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك. الله أكبر. من
les événements de 2013 là, ceux qui ont tué ces jeunes répondront devant la Cour pénale internationale. C'est ça la vérité. Merci, merci. Quelles sont les impressions pour... C'est des impressions de tristesse, de révolte et d'indignation. Tristesse parce que c'est des jeunes qui sont passés à la fin de l'âge. Révolte parce que c'est pas acceptable qu'on meure au 27 sur les barres. Et indignation parce que tu vois le corps dans les terres. Thank you.
Dakar. Ben Ousmane Barry. On tara ma yalla ko lay. Un trottoir qui s'est pas fait que quelque chose est évité là. C'est simple, c'est-à-dire... C'est zéro.
kotaki ko warako batte ko be warako me weltaki enen kad yotto den ko yen yotto annal nan fo yi ko yotti den kon ko no won ton wata en suulu hande kad suulaki Thank you.
commissaire à gauche, vous avez la caisse exactement. Bonjour, à mon sujet, je vous en prie. Je vous en prie. Quel est mon titre? Ndiaram. Allahu Akbar. Wa lillahi l'hamd. Emindo foko tagana den ko fi nder maide senari suru go be waden hakki taw en leedi ha gayna suru debe duano dembe dembo bindi tokki to den e ko be wara e timu ko Merci.
Regarde cool. Regarde cool, parce que c'est évidemment tout le monde. C'est pas acceptable. Et nous pensons que tous sont continués à lutter démocratiquement pour pouvoir pour protéger les manifestants démocratiquement. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il y a quatre corps à la mode. Les jeunes qui ont été fauchés, arrachés à l'affection du parti de l'opposition républicaine et à leur famille. C'est vraiment triste pour notre pays. Parce que la terreur que M. Alpha Condé veut instaurer dans notre pays devient une réalité triste pour l'UFDG, pour l'opposition et pour le peuple de Guinée. Nous avons actuellement à la morgue M. Boubacar Diallo, qui avait été assassiné la semaine dernière et qu'on devait enterrer hier. Malheureusement, le gouvernement n'a pas voulu rendre le corps à la famille en disant qu'il n'avait pas fini de mener ses investigations. Mais en menant ces investigations, la journée d'hier, quatre autres jeunes ont été assassinés par des forces de l'ordre. Il s'agit de Thierno Bellasso, qui a été tué par balle. Mamadou Yaya Ba, un jeune de 12 ans, dont la balle a traversé la tête. Il faut voir la photo, c'est triste, vous ne pouvez pas ne pas verser de là. Il s'agit de Suleiman Cherif Diallo, âgé de 16 ans. Il s'agit de Mamadi Camara. Tous ces quatre corps, tous ces cinq corps sont encore à la mort. Je voudrais vous adresser à vous-même, à leur famille et à toute la famille UFDG, à toute l'opposition guinéenne, mes condoléances attristées. C'est des héros qui sont morts pour la démocratie. Ils sont morts d'injustice parce que certains ont été tués devant le domicile familial. Je voudrais qu'on observe une minute de silence pour ce jeune arraché à notre affection qui était avec nous avant-hier. Je vous remercie. Après ça, je vous ai dit, c'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de se lever pour continuer le combat jusqu'à la victoire. Désormais, la question des élections est une question secondaire. Il faut qu'on se lève, et qu'on fasse une marche pour protester. Il faut que désormais, notre priorité, c'est la défense de la vie de nos communautés. Nous sommes citoyens guinéens. Et le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. On ne peut plus laisser à Fakonde assassiner nos jeunes, nos femmes. Nous sommes déjà, nous avons déjà perdu 28. Jamais, comme vous le savez, M. Alpha Condé n'a ordonné l'ouverture d'une commission d'enquête. Jamais aucun coupable n'a été identifié, n'a été présenté à la justice. Il faut que ça s'arrête, nous ne voulons plus accepter. Je voudrais vous féliciter pour la combativité et le courage avec lequel vous êtes en train de résister avec vos bras à l'assaut des forces de l'ordre contre nos bastions, contre nos fiefs. Il faut que nous soyons tous prêts. S'il faut mourir, il faut qu'on se meure, il faut qu'on arrête de tuer. C'est inacceptable, donc il ne faut pas vous décourager. C'est Alpha Condé qui
nous impose cette lutte, il faut qu'on l'amène jusqu'au bout. Ces assassinats ciblés contre les militants de l'UFDG, on n'en a marre et on n'acceptera pas. Il faut que vous soyez mobilisés plus qu'hier pour résister à ces assassinats ciblés contre notre population, contre les militants de notre parti. Je voudrais vous féliciter pour votre courage, votre combativité. Lors de la marche avant-hier, lors de la marche hier, lorsque les forces de l'ordre ont pris d'assaut ceux qu'ils considèrent comme étant le fief de l'UFDG pour tuer, commettre des exactions, arrêter arbitrairement, vous avez résisté autant que vous pouvez. Il faut que cette résistance continue. Je me dois de vous féliciter et de vous encourager parce qu'il faut que ça s'arrête. Nous sommes des citoyens guinéens. Notre premier droit, c'est le droit à la vie. Alpha Condé veut nous ôter la vie, veut nous assassiner tous. Il faut qu'on dise non. Vous nous êtes bien battus. Avant-hier, vous nous êtes bien battus. Hier, vous avez résisté et c'est le moment de la résistance. Ce n'est plus le moment de la soumission, de l'acceptation des crimes que le pouvoir est en train de commettre en disant que les gendarmes, les policiers n'étaient pas armés. Allez à la morgue. 4 assassinats hier, dans la seule journée d'hier. J'ai vu les corps. J'ai vu ces deux garçons qui étaient jeunes. Il faut qu'on se lève et qu'on dise non, qu'on ne peut plus. C'est insoutenable. Je ne parle pas d'élection, on va parler de la défense de la vie. De notre militant, de notre parti, parce qu'on ne peut plus accepter ça. Je vais vous demander, de garder le calme, il faut le courage. Je vois encore là-bas, Guimri, le père de Boubacar. Je vois à ma droite, le père de Zakaria. Je vois encore les parents, les mamans de ces 28 martyrs qui ont été arrachés à notre affection. Ils sont partout, il faut que ça s'arrête, on ne peut plus l'accepter. Donc, vous serez mobilisés. Inch'Allah, on va maintenant le combat jusqu'à la victoire, jusqu'à ce qu'il y ait dans notre pays un État, un gouvernement respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Jusqu'à ce qu'il y ait un pouvoir soucieux de l'unité de la nation, soucieux du respect des droits de tous les citoyens, quel que soit leur appartenance ethnique ou politique. Donc, je ne vais pas vous parler beaucoup aujourd'hui. Restez mobilisés, on va continuer le combat. C'est un projectile incontournable. La porte d'entrée est là, la porte de sortie est là. Alors, là. Pour le moment, de mon côté, en cas de. Peut-être que nous avons de l'information. Ah.
sede che cade hitti, sede che cade hitti, e tavi i tempuri di mate, quando la sede di più di la pulizia di fuoco, sarà in chiama la gente, ma la J'étais parti à Dubéka, on m'a appelé pour un travail. Le matin, j'ai laissé mon fils, il avait ses amis. Après ça, on m'a appelé qu'il est parti au travail, à la mosquée. Pas pour la il a arrêté le jeu balle, oui, pardon. Il s'appelle, il avait quel âge? Il a 14 ans, il s'appelle Suleiman Chérif Diallo, sa maman s'appelle Amina Tamara. Selon l'acte qui est passé, mes sentiments, c'était mon seul unique fils que j'avais et c'est mon espoir. Bon, depuis de bons événements, j'ai perdu mon fils, mais actuellement mon fils ne travaille pas bien. Mon espoir c'était à lui qu'il grandisse, qu'il me donne un bon courage pour que ma vie soit réalisée. Et avec sa maman, c'est tout ce que je peux dire. Nous demandons de l'autorité de faire l'enquête pour que de moins voir le coupable qui a tué l'enfant. Puisque les militaires en train d'offenser et tirer sur les gens. Et non pour le faire peur, mais pour le tuer. Et je tue pour mon fils. Et c'est parce que la racialisation, la femme et les malinqués, et voilà qu'est-ce que le contraire fils m'a arrivé. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis derrière Dieu et vous, les gens. Thank you.
jaral ko la woni ben su kaw ko mi bokkam ak mi ñam ben ma mama la ma ram wa ci fa de ci lu dama wandi ra ko wari la juma ki ki do in sare 17h goddum wari gade wotu wadan vers 19h quelque wari ka sudu o juli futro hages on no sera kan ko gromo ko tay law ngol gadu man nak ko jetti bi mum ko kaw ni ma yade sota ko kaw wara ko yalti o yi o miro yega taw yetto sot golon ko ka ko don karwal temon be wi car gmc couleur jaune ari gmc wayen galari be dari be nangimo e nadi ka do biswar ton be tufi mo be wadi ko be wadi ko fo ina maaya sada be lib modon continue karwal karwal ko civil be wonno ton ka ko militaire wonno temon be ben ko wi ko civil be yal militaire be barmi be tufi mo be barmi mo be ceux qui poussent ma kodeng complètement be ay ay parti sensible ma ko fo be barmi ar ko dubi jelo jogo mo jogi dubi no gayju ar wara santa dum baltu na on tora mo yalla mo won to betto to ti jama on ti ko ko yi me wona wari yede wa jetto ni hore e wona toñe do haray ko men toroto ko lam ngum urtu wat goli la toñe den dudi toñe den dudi sinanum pay ko wona ko just yaltu gol soda zi ngum hewta war gol goddo awa dum do ngare melen tori yo accu yo accu e yo accu me fala ka sugum watta dum me fala kay wat me ronki mayir gol nitum me ronki me ngabi wata watto ande ke aray ko dum fo ko dum do ko musibe men wonbe ka yasi walliti bayrebe nani ko fewndi gakom aray ko teddungal mom aray menen kat men hewti dum e watti ga men kon don men toro ko wadde ka kasange e ko hebon ko abboro hobbe bayno hebitana sifado yimbe be ngaray euro wobbe aray no haani okkorde ndiyam kaaji ma ko nandim awara ko 4 million woni don kono ko weltana gol musibe men wonbe ka yasi den federation ji parti on association ji din fo mo be mo be men min ke wallirime ko men wallitora barminaɓe soñjiɓe tele maka gereji ko immini immi kako ara ko الله أكبر الله أكبر وكان بيقول كسيني يوين هيرو نير باتن دي فاتن دي كهبو دين نعم وصو كمي دين فلال نعم دول لي ستاري وني بسينيك نعم هاي ما تان ستاري دي فاتن دي بوادريني بفلي او دوني رهور تون نعم بهم بيتي كدون كو آدم ميدن نعم are ma be seno be hiwondira e musi dangal e ben sukaw e ben ma ko mawdo e bakira ma ko ben musi dangal fu nam e kala fella be ben e kala wara be ben e hore de tonya do are ma be seno hiwondira fi mabbe nam si tay be ande dum no mi be do be wawa tay min de delegation nam ko kambe tigi hetto to seno nam ara ko dum Allahu okito en gonga meden on Allahu Allah ronki to nyobbe Allahu yo Allahu fonu ko je mabbe Allahu ara ko dum woni ko yebbi de ta meden do naam tawata si tay dum do wadi naam
si ko welo welo nam be sen fo en fokko wonde inshallah donc halay kambe fami alaji so on be maki yo men yeto nam be weltori hatir de welta gol ko alaji en seni gakum nam e jama on haray no welti eyo si tawi goddum hebi ma tay ko e fen so on dum hebi ma nam ko kanko tigi warani hore makko nam haray holli imo watani illa eko halfina ko nam dum don fo gollata yimbe ben be dugol sosinde yimbe ben wondugol e sifa on neddo don nam se tawi goku wadi sifa don don nam ko wonki iwi nam wonki no sattika alla ha fejiti nam so yi alla wi mo itti wonki woti nam o windete waso wari yimbe ben fo nam ko non kadi so dandi wonki woti o windante waso dandi yimbe ben fo nam maybe ni jihadi ki demokrasi on won waw don yottu de jama on fi no be tamere ko on wona kemi holla de jama on hada to jama on yerlo en to ki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah wada be fati be do hada ko be do wona ta sakiti be fata gol en der nokkure men de e fi o murado ko jokka ko yo Allah wada de yimbe yambe shahidi be do hada ko aljanna woni ko be tagerana hada dum do no musino metti vraiment fayda ay wolu gol ha fayda hande aden wawata kon dum wadi suno won no tidi di fodeji dum na tudi wonan den da fore mara di do leys wura ji sappo e gedat dum no tidi pan ara en tore kala yo Allah hanni dum boni na wata dum no wat wodde hara ndi do leydi no wada ça fait maintenant 50 jeunes que nous avons enterré depuis que monsieur Alpha Conde est au pouvoir. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer de combattre. Nous nous battons pour une cause juste. Tant que les conditions d'une élection crédible ne seront pas réunies, tant que la dignité du Guinée ne sera pas réunie, tant qu'on continuera l'exclusion pour traiter, maltraiter les enfants de Bambeto, d'Amdalaï, de Koza, comme si ce n'était pas les Guinéens, nous allons continuer le combat parce que ils sont Guinéens comme tous les autres. Nous ne voulons pas de l'exclusion.
Yeah.
Kanale wali ke, kanale wali ke, awa wa awa ni bedanga,
Thank you.